Oh oui, on doit à l'aéroport. On doit savoir qui vient te chercher. Ah, taxi Yango. Ok, mon avare, Vinanda. Ma canobo avant, on l'a, on s'y usa, mon tigre king. La veine de la tête de la peau se coupe en ce moment. C'est ton père, c'est son retour au Dubaï aujourd'hui. Il va me garder. On va faire mandite, tu m'enfermes à l'intérieur. Toi, tu m'enfermes mon enfant que j'ai mis au monde. Il me caraille tout haut. Il t'a dit qu'il va te piler dans le monde. Il t'a dit qu'il va te piler dans le monde. Si tu es mon péché mignon, ma yem, tu sais même comment. Ma, moi, c'est pas un péché, c'est mignon tout court. Et on aime Fadi là, nous, on a dit que là. Seigneur, écoute pas ce qu'elle dit. Tout ce qu'elle peut te demander, c'est que Seigneur bénisse mes péchés. Le dehors, c'est mauvais. Il va marcher en route comme ça, en que quelqu'un va me proposer que non, donne-nous ton fils là. Je vais te donner une jambe à l'ouvre. Tu me fermes à l'intérieur. Bouche mal. Et je vais te frapper. Ça veut dire que tu es un sorcier. Tu es un bali fou. Oh, tu es fou, madame Wen. Imbécile, non, non, comment tu as le cara? Oh, toi, je fais quoi ici? Ça va quitter qui t'es seul. Donc, fils, ne mange pas. Moi, je vais. Un zomte. C'est vous qui allez me tuer dans la maison aussi. Oh, tu as vu ça? Ne coupez pas ce qu'elle fait là. C'est qui? Sorel! Va regarder à quelqu'un à la porte. Papa! On va bouger! On va rentrer! Et quoi cette ambiance de tristesse là, ma maison? Oh, non, ça va. Chérie! Eh, pas, quelle est ma bien vite, là? Quoi? Tu penses que nous sommes à la télé, ici là? Bien à la télé? C'est quoi? Eh, quelle est ma bouche mentée? Nathan, ça va? Ça va, papa. Tu vois qu'il te fallait une fille de la ville. Papa, tu m'as regardé quoi? Je t'ai regardé, je pense, un iPhone dans le sac. Je pense que. Tente de toucher ça. T'as mon nombre iPhone et moi, essaie de toucher ça avec tes mains. Tu peux m'expliquer le pourquoi tu es si agressif cette soirée? Tu es à rentrer de Dubaï. Oui, c'était fatigant, hein, chérie, je t'assure. Ferme ta bouche! Ferme ta bouche, c'est ce qu'il faut. Ce n'est pas ton show, c'est mon mari. Quand je parle à mon mari, tu te tais. Chouma, il me mon grand. Je vous assure, le voyage était épuisant. Mais vraiment, c'était magnifique de découvrir les endroits. On va voir les photos. Ma mère, maintenant, il me forange. Je veux voir les photos. Les photos. Ma carte mère. Ma carte mémoire est perdue. Elle est tombée. Ma mère, ma cornouille, on est l'autre là, nous, on est zimbim. Je vais te dire deux mots. Tout le monde de ta famille m'appelle peut-être villageoise. On dit que je suis une villageoise, j'accepte. Mais je ne suis pas bête à ce point. iPhone en carte mémoire. Oh. Avec toutes les mémoires qui viennent déjà dans iPhone. Ou quand iPhone en carte mémoire. Comment? Ça prend la mémoire. Oui, oui non, comment? L'iPhone prend la carte. D'accord. En tout cas, je suis en train de vouloir sortir. Je veux ton passeport. Voilà. Ja. Mais passeport, mais quand risque, je me dis que je sais même que. Ça doit être dans le sac là-bas. C'est fatigant. On va voir ça après. Oh là. C'est dans le sac. Eh. Ouais, mes enfants. Papa, tu étais où? C'est ça que tu cherches au passeport aussi que tu cherches. Papa, tu as des passeports, non? Mais quand je parle, mais toi, tu t'étais. Hein? Mais moi aussi, je prie ma lumière, je vais vite appuyer le coup. Ma lumière, je tu étais à Dubaï. Tu as voyagé sans passeport. Tu as en collaboration avec la tu as pris quel machin? Tu vois, quelle compagnie, Cargia c'est une nouvelle compagnie là qui vient nous vivre. On est mangé dans la couleur. Laisse les gens. Pas une macaronne, tu es un imbécile. En rien, tu ne vaux même pas la peine. Voilà. Donc, quand on te voit, on va te voir gros comme ça, on va penser que c'est un homme. Sans savoir que c'est un bébé qui est caché dans le corps d'un gros, un nounous. Tu n'es rien. Mon cas, je vous dis ça. Là, on est fait l'autre là, on est quoi? Ma vie, moi, je suis là. Je suis en train de dire, c'est le chez moi. Nous sommes mariés. Je ne sors pas. Hasard.
Ma fille, ne fais pas ça. Ne fais surtout pas ça. La Bible dit, femme, sois soumise. Donc, si t'as frappé, que tu as trop mal, entre dans la chambre, tu pleures, ça va passer. Tu m'as soumis dans la chambre. Qui est? Oui. Leçon numéro 12. La vengeance de la femme. Ah, tu me frappes, je me transforme en homme aussi et je te rends. La dame bouge. C'est ça, maman. Il se fie de toi. Parce que vous aimez voir avec les yeux. Parce que dès qu'on vous parle, non, c'est rien. Je maîtrise.